Voilà, donc là on est actuellement pas très loin du port de Taverne, donc c'est encore, c'est juste à côté de Moriani Plage. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la Corse qui s'y situe. C'est un endroit très sympa, donc voilà, je laisse la moto ici, je pense que ça posera pas de problème. Voilà, donc je vais marcher un peu. Alors, pour vous expliquer, oui, tout à l'heure je vous ai parlé de Paris. Pourquoi Paris? Eh bien c'est très simple, bah, j'ai décidé donc de faire mes études là-bas parce que voilà. Donc je pars demain. Demain matin je prends l'avion. L'avion il décolle à 6h, ouais, donc j'arrive vers 7h30 à Paris. Et alors je vais pas tout de suite emménager à Paris. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que là en fait j'y pars qu'une semaine. Voilà, je vais pas tout de suite emménager. En fait j'y reviens ici en Corse, donc le 8 septembre. J'y vais pour finaliser mon inscription à la fac, parce que voilà, donc je vais en fac. Et pour régler tout ce qui est logement, bourse, etc. Donc voilà, pour bon, moi je ferai ça pendant cette semaine. Je reviendrai un peu ici et après je repartirai, je l'espère, définitivement pour faire mes études là-bas. Alors bien sûr, une question que vous devez vous poser sûrement, c'est pourquoi le daily vlog? Alors pourquoi le daily vlog? Bah, tout simplement, l'idée elle m'est pas venue comme ça par hasard, c'est-à-dire que je suis depuis peut-être un mois maintenant la chaîne YouTube d'un youtubeur américain qui est vraiment, je vous la conseille vraiment parce que c'est vraiment génial ce qu'il fait, il s'appelle Casey Neistat. Voilà, donc bah, le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Et en fait c'est un youtubeur américain qui habite donc à New York et qui depuis, ça doit faire à peu près 150 jours maintenant, s'est lancé donc dans le daily vlog. Alors lui à la base il est déjà réalisateur de films, etc. Voilà, le mec il a déjà voilà, pas mal de trucs. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment, le conseil vraiment génial. Je sais qu'il y a quelques déjà youtubeurs américains qui font ça, qui font des daily vlogs, c'est vraiment très cool. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des Français qui font ça? Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais vu, les vlogs, oui, mais les daily vlogs, non. Donc j'ai été voir et c'est vrai que j'ai trouvé aucune chaîne YouTube française qui faisait des daily vlogs. Et je me suis dit, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est super intéressant comme concept. Surtout qu'aujourd'hui, les vlogs, c'est un truc qui se démocratise vachement. C'est un peu. Voilà, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus dans, comment dire, dans les cordes de YouTube, enfin dans la philosophie de YouTube. Voilà, donc cette idée de partage avec le viewer. Et je me suis dit, mais c'est vraiment top. C'est vraiment top. Voilà. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, Louis, lance-toi. Voilà, mets-toi un coup de boost et tu verras, c'est super cool. Surtout que là, ce qui est cool aussi, c'est la putain de vue qu'on a ici. Voilà, donc là, on voit les montagnes, la montagne corse. Qu'est-ce que je vais vous montrer dans ces vlogs? À quoi ils vont servir? Bah alors, quand je serai en Corse comme là, ça me permettra bah, de vous montrer un peu la Corse. Voilà, comme ça, parce que je pense qu'il y a la Corse est quand même un endroit qui est vraiment magnifique en France. Du coup, bah, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir vous le montrer. Après, deuxièmement, bah, quand je serai à Paris, je vais essayer comme ça de vous montrer la ville. Parce que Paris, c'est bien, mais tout le monde ne vit pas à Paris. Et du coup, voilà, moi je vais découvrir Paris déjà, parce que j'ai jamais vécu à Paris. Enfin, j'y ai pas vécu. Enfin, oui, 3 mois. Et aussi pouvoir vous montrer à ceux qui n'y sont pas encore allés, bah voilà, vous permettre peut-être de la découvrir, je sais pas, on verra bien. Hein. Voilà, si tu veux savoir, bah regarde les prochains daily vlogs, et puis voilà, il n'y a pas de souci, on fait comme ça. Et pourquoi aujourd'hui? Bah je trouve qu'aujourd'hui c'est vraiment le meilleur moment pour commencer. Hein. Je pense que là, aujourd'hui, c'est le meilleur moment, parce que voilà, c'est le moment où je pars à Paris, c'est le début de tout, c'est le début de ma vie adulte, entre guillemets, hein, de ma vie étudiante, voilà, donc je pense que c'est le meilleur moment pour commencer ça. Donc c'est parti pour imprimer des billets d'avion pour Paris.
Paul, c'est celui-là que je porte demain. Ça fait chier. Voilà. Bon, après, tu reviens dans une semaine. Voilà. Mais ça fait chier quand même. Et après, je repars pour 20 ans. Ça fait chier. Ouais. Allez, à la prochaine. Arrête tes conneries. Je casse. Au revoir.